bien bonjour à tous les amis, j'espère que vous allez tous très bien. On se retrouve aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo sur la série Ma Ferme Anglaise, donc l'épisode 4 déjà, série qui avance plutôt bien, qui vous plaît toujours. Donc encore une fois, voilà, un grand merci à tous pour tous vos retours sur la série. Et merci également pour tout votre soutien au niveau de la chaîne. La chaîne a atteint les 2 ans, ces 2 ans. Voilà, la chaîne YouTube fête ses 2 ans, a fêté ses 2 ans hier. Donc écoutez, ça fait plaisir, merci à tous de continuer à être là, présent sur mes vidéos, ça fait plaisir. Donc au programme de cet épisode, les amis, on va bien sûr commencer la dernière intervention dans les champs avant l'hiver. On est au niveau du mois de saison, on est au mois de novembre, donc on va bien sûr fertiliser nos champs pour que nos champs soient fertilisés à 100%. Donc on va passer bien sûr le deuxième apport d'engrais avant l'hiver, hein, c'est le but avant la neige, que la neige s'abatte sur la série. Donc on va fertiliser nos champs à 100%. Donc deuxième apport d'engrais en début de vidéo. Et nos balles d'enrubanées sont également fermentées à 100% également. Donc on va pouvoir commencer à aller vendre toute cette enrubanée là. Donc on commencera bien sûr en fin de vidéo si on a le temps de se charger un plateau de balles d'enrubanées pour au moins aller vendre un plateau dans cette vidéo. Ça sera plutôt pas mal. Donc voilà pour le petit programme de cette vidéo. Donc pensez à mettre comme d'habitude le petit pouce bleu qui fait plaisir. Pensez également à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Et moi je vous retrouve tout de suite après l'intro pour démarrer les activités. On se retrouve en jeu les amis pour démarrer ce 4e épisode. Donc j'espère que vous allez tous très très bien, en tout cas que vous avez passé une bonne semaine, que vous passez de bonnes vacances pour ceux qui sont en vacances. Et voilà, pour une bonne semaine pour ceux qui travaillent. Donc vous voyez juste en face, j'ai rentré tout le foin en off. Donc tout notre foin est rentré à l'abri. Donc ça fait plaisir. Je me suis occupé de ça en off. Je vous avais d'ailleurs mis un petit screen sur les réseaux. Au niveau des balles d'enrubanées, comme je vous disais, l'enrubanée, vous voyez, ça nous fait quand même pas mal de bottes d'enrubanées. Hein. On a une bonne vingtaine, voire une bonne trentaine de bottes d'enrubanées. Je les ai pas comptées. Mais vous voyez que l'enrubanée, au niveau fermentation, l'enrubanée est fermentée à 100%. Donc on va pouvoir aller vendre toutes ces bottes d'enrubanée là qui vont nous faire bien sûr de l'argent. Sachant que de l'argent on en a besoin. Si vous regardez un petit peu les finances, on est redescendu à 752 € au niveau des finances. Donc autant vous dire qu'il nous faut un petit peu d'argent. Donc le pulvé, bien sûr, j'ai préparé bien sûr le pulvé en off sur le petit Renault, mais je pense que cette activité là elle va attendre le printemps. On va désherber nos champs qu'au printemps, voilà, parce que les mauvaises herbes se voient pas trop encore. Donc je préfère attendre pour désherber les champs. Je pense qu'on fera ça certainement au printemps au niveau du mode saison. J'ai fertilisé cette parcelle-là également en off. Donc cette petite parcelle d'un hectare est fertilisée à 100%. Donc parcelle qui était en avoine. Donc celle-là est déjà fertilisée. Je me suis occupé de ça en off. J'ai également fertilisé la prairie qu'on a fauchée où il y a les balles d'enrubanées. J'ai également passé un coup d'engrais dedans. Donc la prairie-là est fertilisée également à 100%. Donc la prochaine fois qu'on va la faucher, elle sera fertilisée à 100%. Et on aura un rendement maximum. Donc là au niveau de l'engrais, je pense qu'on va aller en remettre un petit peu. Donc là au niveau fertilisation, il nous reste bien sûr la grande parcelle de 5 hectares qui est en soja à passer le deuxième apport d'engrais. Donc on va, dans cette vidéo bien sûr, on va aller s'occuper de ça. Hop, donc on va recharger ce moir engrais avant de partir bien évidemment. Alors par contre je sais pas si j'ai encore de l'engrais. Ça c'est de la semence. Est-ce que j'ai encore de l'engrais? J'ai même pas vérifié si j'avais encore de l'engrais avant de tourner la vidéo. Il me semble que j'ai de l'engrais. Non les gars, on a plus d'engrais, merde. Bon. Écoutez. On va déjà faire avec ça. J'espère que ça va pas.
J'espère que ça va pas. Bah, de toute façon, il en manquera, c'est sûr. Hein. On fera pas la grande parcelle de. On fera pas la grande parcelle de 5 hectares avec, avec ce qui nous reste ici. Donc écoutez, on va déjà commencer. Et puis, bah, si on n'a pas assez, je continue, j'irai refaire le plein du saumon en off et je terminerai tout ça en off. Et puis voilà, les amis. Donc voilà, grande parcelle de 5 hectares qui nous reste à épandre de l'engrais. Donc on va s'occuper de ça un petit peu dans cette vidéo. Alors après, je sais pas si on aura beaucoup, si on aura assez d'engrais, je pense pas. Donc on va déjà mettre ça et puis on verra par la suite ce que ça donne. Au pire, voilà, j'irai refaire le plein d'engrais en off et je finirai de fertiliser cette parcelle-là en off. Là, on va déjà faire avec ce qui nous reste dans les pondeurs. Donc voilà, petite activité et ben avant que la neige arrive sur la série, sachant que voilà, comme vous le savez, on est en mode saison, donc on est déjà au mois de novembre au niveau du mode saison. Donc écoutez les gars, ça passe super vite le mode saison. Voilà, le but c'est de faire un épisode un mois, voilà, un épisode égal à un mois. Donc pour toujours vous proposer des activités sur la série. Donc voilà, j'avance d'une journée le temps entre chaque épisode. Et voilà, du coup on se retrouve toujours avec un nouvel épisode et on se retrouve toujours avec le mois suivant. Donc voilà, c'est vrai que c'est en mode saison, c'est un peu compliqué de vous faire des vidéos. Avec voilà, le mode saison, c'est faut toujours trouver des activités à faire. Et c'est vrai qu'en mode saison, bah c'est pas toujours facile. Donc écoutez, j'aurais pas assez. Ah, on n'a pas fait grand chose, c'est dommage. Bon écoutez, ce qu'on va faire, les gars, je vais faire tomber. Oh, c'est pas très, voilà, c'est pas très réaliste, hein, mais ce que je vais faire, les gars. Et ben je vais me faire tomber un big bag d'engrais. Et je m'enlèverai l'argent par la suite, comme ça ça nous permettra de continuer cette activité d'engrais. Hop, on va se faire tomber un petit big bag. Et bien sûr je m'enlèverai l'argent un peu plus tard. Voilà, ça nous permet voilà de pas s'arrêter, parce que là c'est vrai qu'on n'a pas fait grand chose. Et voilà, ça nous permet de continuer l'activité là. En tout cas, voilà. Donc, je m'enlèverai l'argent du big bag que j'ai fait tomber. Bien sûr, je regarderai le prix. Et je m'enlèverai le prix du big bag d'engrais, bien sûr. C'est pas gratuit, hein, vous inquiétez pas. Là, je fais juste ça, voilà. C'est juste du dépannage pour continuer l'activité. Donc, voilà, mode saison, c'est plutôt pas mal de faire ça comme ça, je pense. Un épisode égal à un mois. Comme ça, ça avance plutôt bien. En plus, ça avance bien. Et voilà, ça permet de vous proposer toujours d'avoir toujours des activités à faire sur la série. Et bah, c'est plutôt bien comme ça. Donc voilà, grande parcelle de 5 hectares. Qu'il faudra qu'on désherbe également au printemps. Donc on s'occupera d'aller faire ça. Donc là, je vais mettre le GPS pour continuer un petit peu l'activité. Hop. Voilà. Ça. On sera tranquille. Donc là c'est quand même un épandeur qui pense sur 42 mètres. Donc on a quand même un bon débit de chantier. Donc écoutez, ça fait plaisir. Donc voilà, petit. Ouais, après voilà, au moins au niveau de nos champs, je pense qu'avant l'hiver on sera pas mal. Ils seront fertilisés à 100%. Il ne nous restera plus que le désherbage à faire, mais comme je vous l'ai dit, on désherbera nos champs. Au printemps, on va laisser passer l'hiver, parce que vous voyez, les mauvaises herbes elles se voient un petit peu, mais c'est encore pas flagrant. Donc écoutez, je préfère faire le désherbage au printemps. Donc là je pense que voilà, les mauvaises herbes ça peut attendre le printemps, hein, ça va pas détruire les cultures. Donc au niveau du désherbage, voilà, de toute façon tout est prêt, le pulvée est prêt, donc on fera ça
courant janvier, février, voilà, tout début d'année, on fera ça, cette activité-là au printemps. Donc là, on va arriver dans la période la plus dure en termes d'activité sur en vidéo avec le mois de saison. Là, on va arriver dans la période la plus compliquée parce que bien sûr, on arrive dans l'hiver. Alors au niveau des travaux en mois de saison, l'hiver, on est très très limité. Donc pour nous, c'est vrai que c'est la période la plus compliquée. Ouais, parce qu'au niveau activité l'hiver en mode saison, il n'y a pas grand chose à faire malheureusement. Au niveau des champs, il n'y aura rien à faire. Alors bien sûr, on peut s'occuper des animaux. J'essaierai de vous trouver des activités à faire pendant l'hiver, voilà, courant décembre. J'essaierai de vous trouver une activité quand même à vous proposer pour le mois de décembre. Pourquoi pas, voilà, s'occuper des animaux. On aura du fumier également à sortir, ça je le garde pour la vidéo, la prochaine vidéo du coup, on sera au mois de décembre sur la série. Et il faudra qu'on fasse un petit peu de fumier, qu'on vide un petit peu le fumier dans les vaches, parce que j'ai vu que c'était un peu au niveau du fumier, c'était un peu le bazar. Donc on s'occupera bien sûr d'aller faire ça dans le prochain épisode. Hop. Donc là, est-ce qu'on aura assez? Je vais regarder au niveau de la fertilisation où c'est que c'est qu'on en est. Eh ben, on aura quasiment eu assez. Je vais m'arrêter là pour avoir assez d'engrais. Et là, il nous reste pas grand-chose à faire. Vous voyez, un épandeur en 42 mètres, ça se fait quand même plutôt pas mal. Vous voyez la petite parcelle de 56 là qui fait 1 hectare et fertilisée. Voilà, j'ai passé le deuxième apport d'engrais en off. Et la prairie, voilà, la prairie qui se trouve ici, à côté de la ferme, est fertilisée aussi à 100%, donc on est plutôt pas mal là, tous nos champs sont fertilisés à 100% du coup. Il nous reste un petit bout ici à faire, on va essayer d'aller faire ce petit bout là. Et puis au niveau fertilisation, les gars, on sera plutôt pas mal. Alors, hop. C'est ici, donc j'espère que j'aurai assez par contre. Non, il n'y aura pas assez, bon écoutez, c'est pas très grave. On va s'arrêter là pour l'épandage d'engrais, hein. Je viendrai faire le bout là en off. Donc on va se rentrer à la ferme du coup. On va rater les chargeurs sur ce fent là. Et on va commencer à aller se charger un plateau de bottes d'or ébané pour bien sûr essayer d'aller vendre au moins un plateau dans cette vidéo. Ce serait plutôt pas mal d'essayer au moins d'aller vendre un plateau dans cette vidéo là. Et on ira bien sûr vendre le reste. Hop, on va laisser les pendeurs à engrais ici. Et on s'occupera d'aller vendre bien sûr tout le reste de leur rubané en off. Donc on va aller rater le chargeur après ce tracteur là, on va rater le plateau. Et on va commencer à se charger. Par contre faudra que j'enlève ce pulvé là parce que donc ce que je vous disais, vous voyez. Au niveau du fumier, vous voyez, ça déborde. Ouais, je pense que c'est un petit bug, hein, ça. C'est le fumier des vaches qui déborde un petit peu ici. Donc il faudra qu'on s'occupe de vider un petit peu tout ce fumier là pendant l'hiver. Hop, donc on va rater le chargeur après ce tracteur là. Hop. On va se remettre en vue extérieure. On va rater bien sûr notre plateau. Et on va essayer de se charger un plateau de boîte de rubané. Ah bah, je suis coincé dans la barrière. Hop. Alors là, on va essayer de faire demi-tour dans les arbres, là, si ça passe. C'est un peu serré quand même.
On va lever un petit peu le chargeur pour essayer de passer, sortir de là parce que ça ne sort pas. Et c'est vrai que c'est pas évident ici, on n'a pas de. On n'a pas trop de place. On va essayer de sortir quand même. On va essayer de sortir ce tracteur là, ça serait plutôt pas mal. Hop. Voilà. Allez, voilà. On a réussi à sortir quand même. C'est pas évident, mais on y arrive. Allez, on va se diriger du coup vers les bottes de Rubané pour commencer à se charger un petit plateau de bottes de Rubané, bien sûr. Et vous voyez, ça nous fait quand même pas mal de bottes de Rubané. Hein. Hop. Ça nous fait quand même plutôt pas mal d'enrubané, et ça. Et ça fait plaisir. Alors par contre, j'ai pas regardé le prix de l'enrubané. Ensilage. Ouais, le prix est pas. Ouais, ça va encore. Hein. Le prix, on ira vendre bien sûr ça au plus offrant. Hein. Non, là je me suis bourré de touche. Hop. Donc on va déjà commencer à se charger un plateau. Par contre, moi j'aime mieux faire ça en vue intérieure, je sais pas vous. Mais moi pour charger des bottes, je suis plus à l'aise en vue intérieure. Alors après voilà, c'est chacun sa façon de jouer, mais moi c'est vrai que je suis un peu plus à l'aise en vue intérieure pour le chargement. Après voilà, on va essayer de faire les deux pour contenter tout le monde bien évidemment. Donc là, on devrait quand même se faire quand même pas mal d'argent avec ces bottes de rubané là. Et sachant que de l'argent on en a besoin sur la série, hein, vous voyez au niveau des finances c'est pas ouf. Donc il va falloir qu'on remonte un petit peu au niveau des finances. Donc ces bottes de rubané là vont nous aider bien sûr à remonter dans les finances, et ça c'est plutôt cool. Alors j'essaye de me dépêcher les gars pour essayer d'aller vendre ce plateau là dans la vidéo, c'est pour ça que je charge, je me dépêche un petit peu pour voilà. Oula. Alors, on va essayer de pas retourner le tracteur, ce serait pas mal. On va essayer de se dépêcher mais faire ça propre quand même. Ah les gars, je sais pas ce que vous pensez de mes talents au chargeur, mais écoutez, donnez-moi une note au niveau du chargement dans les commentaires. Mais moi je trouve que je me débrouille plutôt bien. C'est plutôt pas mal. Sachant que je vais quand même. Voilà, j'essaie de me dépêcher, donc je fais ça voilà assez rapidement. Hop. De toute façon, on sanglera tout ça, hein, même si c'est pas bien. Même si c'est pas. Les bottes sont pas tout à fait droites, on sanglera ça. Hop, on va essayer d'en mettre de l'autre côté. On va commencer à en mettre là. Alors, par contre, là, je vais me mettre un peu en vue extérieure parce que. Hop. Et par contre, il va falloir qu'on en mette un petit peu devant parce que je sais pas si vous avez vu que le plateau a levé un petit peu du nez là. Donc on va se mettre un petit peu des bottes de rubané devant là pour faire un petit peu de contrepoids. Hop. Voilà. Par contre, on va pousser un petit peu ça parce que. Hop. Voilà. Bah écoutez, c'est plutôt pas mal hein, au niveau du chargement. Je sais pas ce que vous en pensez. Par contre, j'ai l'impression qu'il fait nuit. Après, bon, bah, il est 8h30 du matin dans le jeu. Mais c'est vrai que je trouve que le jeu est vachement sombre. Après, voilà, le mode saison, c'est normal. Hein, en mode saison, c'est vrai que ça change un petit peu la couleur du jeu. Et c'est vrai que c'est réaliste.
Eh ben écoutez les gars, je pense pas qu'on fera, qu'un seul plateau avec avec la rubanée. Il y a beaucoup trop de bottes. Je pense qu'on fera, je pense qu'on fera quand même deux plateaux. Hein. Par contre, je vais enlever le, enlever le GPS parce que j'aime pas. Voilà les lignes, ça me dérange un petit peu les lignes. Ouais, je pense qu'on fera deux plateaux quand même, hein. Ça m'étonnerait qu'on en fasse qu'un. Mais bon. Et bah les gars, au niveau du chargement, on est plutôt pas mal. Donc je vous reprends ici les amis, je vous ai fait, voilà, comme vous avez vu, je vous ai fait un petit accéléré du chargement des bots, voilà, pour pas que la vidéo dure trop longtemps. Du coup je vous reprends ici sur la route pour aller vendre toute cette enrubanée là, bien sûr. J'ai pris le point de vente le plus offrant. Donc là par contre il faut rouler doucement parce que les routes sont vraiment pas larges. Donc on va aller vendre toute cette enrubanée là. Je voulais quand même faire ça dans la vidéo, c'est pour ça que je voulais quand même faire un accéléré les amis. Par contre on va se remettre en, parce que là je connais pas du tout la route. Alors le point de vente il doit se trouver là-haut. Donc là vous voyez, ça nous fait quand même pas mal de bottes. On a quand même pas mal de bottes à aller vendre. On a 38 000 litres d'ensilage. Donc écoutez les amis, ça devrait, j'espère, en tout cas je l'espère, ça devrait nous faire quand même, je l'espère, pas mal d'argent. Donc le point de vente c'est ici. Hop. Alors bien sûr je vous montre le point de vente en question, donc c'est celui-ci, Farmer Market Ball, donc 566 euros les millilitres, hein, je pense. Donc on va voir combien que tout ça nous rapporte. Par contre le 515C avec le plateau là, je sais pas si vous avez vu pendant les accélérés dans la ferme, dans la montée de la ferme là, il galérait pas mal. Donc ouais, il galère un petit peu quand même le petit coco là. Donc on va déjà lâcher ces deux bottes là, donc deux bottes 4000 euros les deux. Bon, franchement les gars, il y a moyen que ça nous rapporte pas mal d'argent. Ah les gars, je suis pressé là, vite il faut désangler tout ça. Je suis pressé de vendre toutes ces bottes là, vous voyez, 4000 euros déjà pour seulement deux bottes d'enrubanée. Les gars, je pense que ça devrait nous faire quand même pas mal d'argent. Verdict. Et ben presque 30 000 euros pour tout le plateau, franchement. Je sais, alors j'ai pas compté les bottes qu'il y avait sur le plateau. 30 000 euros. Eh ben écoutez les gars, c'est plutôt pas mal. Pour moi c'est plutôt une belle vente d'enrubanée. Je suis assez content du prix. On est quand même remonté un petit peu dans les finances. Ce que je vais faire avant de vous quitter les amis, on va se déduire bien sûr tout de suite. Avant que j'oublie. Et avant que vous me disiez dans les commentaires, Eddie, tu joues pas RP, tu triches. Non. On va se déduire le big bag, le prix du big bag d'engrais. Donc on va regarder avant de se quitter. Combien que vaut un big bag d'engrais. Ça vaut 1820 euros. Et bah les gars, avant de se quitter, on va s'enlever cet argent là bien sûr. Donc moins 1820 euros. Voilà, comme ça vous avez vu, je l'ai fait en vidéo. Vous pourrez pas dire voilà que je triche. On s'est enlevé le prix du big bag que j'ai utilisé tout à l'heure, que j'ai fait tomber. Donc voilà, moins on est carré.
CRP, c'est parfait. Donc voilà les amis, bah, on a quand même fait une belle vente de Ruben Lee, je suis content. Il nous reste 2-3 bottes à aller vendre, mais je pense que j'irai vendre ça en off. Hein. Il doit rester 4 bottes dans la prairie, donc j'irai vendre ça de mon côté. Donc j'espère que cet épisode vous a plu les amis. Si c'est le cas, comme d'habitude, pensez à mettre le petit pouce bleu qui fait plaisir. Pensez également à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Et moi je vous retrouve, je vous retrouve très bientôt pour un prochain épisode. C'était Eddie Farmer. Ciao les amis.